Salut tout le monde, c'est Monsieur Chiasson ici là, avec Histoire planétaire. Puis regarde, hey, j'ai quelque chose de spécial pour vous autres aujourd'hui. J'ai réussi à passer Monsieur Marc-André Blanchard en entrevue il n'y a pas longtemps. C'était notre représentant permanent du Canada auprès des Nations Unies. Fait qu'on va lui parler un petit peu pour savoir exactement qu'est-ce qu'il faisait puis qu'est-ce qui était son rôle. Fait que checkez voir 2 minutes là. Hey, bonjour tout le monde, ici Monsieur Chiasson avec le coin à Chiasson. Puis comme vous voyez, j'ai un invité spécial avec moi aujourd'hui, Monsieur Marc-André Blanchard. Salut Monsieur Blanchard et bienvenue à l'émission aujourd'hui. Merci beaucoup, j'apprécie tellement Ah, l'invitation. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi. Fait qu'on va vous poser des questions, puis on aimerait voir qu'est-ce que vous avez à dire. Allons-y! Bon, Monsieur Blanchard, avant de commencer avec les Nations Unies, qu'est-ce que tu faisais comme travail? J'étais avocat avant de devenir un diplomate. oui. Tu as commencé quand comme représentant permanent du Canada auprès des Nations Unies? C'était, bon, c'est un peu drôle, c'était comme le poisson d'avril, c'était le 1er avril 2016, puis ça s'est terminé le 31 juillet 2020. Alors, tout dernièrement. Ça veut dire quoi, ça, représentant permanent? Bon, c'est semblable à être diplomate, on est connu comme un ambassadeur. On se présente souvent pour des raisons diplomatiques, pour représenter notre pays au sein de trouver une solution. Puis, lors de ta tenure de ton rôle comme représentant permanent, qu'est-ce qui était un des événements qui est le plus spécial pour toi? Ça aurait été le Jubilee à Diamant pour l'Aga Khan en 2018. Pour le monde qui ne sait pas, c'est quoi ça un agacan? Bon, les Ismaéliens, qui sont un petit groupe de la religion musulmane, c'est leur représentant de leur religion. C'est un peu un prince ici. C'est ça que Khan, c'est le sens de ce mot-là. Et Aga, ça serait un terme que tu donnes à quelqu'un qui est honorifique. On a Prince Shah Karim Aga Khan, le 4, c'est lui qui est en chef en ce moment ou qui est le représentant. Puis c'est un titre qui est cédé, qui est donné à un membre de sa famille. Alors, nous autres, on a une grande population ici, puis on a une population de cette religion. Alors, il est venu au Canada. Puis ça s'est passé où? C'est en 2018, il est venu à Calgary. Oui. Bon, fantastique. Un grand, grand merci à Marc-André Blanchard d'être venu au coin à Chiasson pour une entrevue aujourd'hui. Encore une fois, un gros merci, monsieur. J'espère que vous avez appris quelque chose. On va se voir à la prochaine.